Bonjour à tous et bien aujourd'hui sur Maniteur pour une nouvelle aventure sanglante. On va donc contrôler bien sûr le squale. Et oui, le mangeur d'hommes. Souvenez-vous, on avait pu faire il y a 2 ans il me semble, Jaws Unleashed, les dents de la mer. C'était vachement cool. Ce jeu, quand tu regardes les premières images, tu te dis, on dirait la même chose. Sauf que le délire va beaucoup plus loin. Vous allez voir, en tout cas je vous encourage à mettre un petit pouce bleu, voilà, pour bien lancer cette nouvelle série. Pensez à vous abonner pour ne pas louper les prochains épisodes. Allez, c'est parti, on commence. Meanwhile, aboard the Cajun Queen, Pierre LeBlanc, known by his fellow anglers as Scaly Pete. Daddy hunted sharks. I hunt sharks. It's in the blood. There was somebody better at this, you'd be following them, yeah? Oh, people. We got a lot of wrong ideas about sharks. So I just say how we gotta coexist. Now, how you gonna coexist with that shark, huh? Shark just wanna do one thing. That's kill you, eat you, and you out. What I do, I consider a sacred honor. Kill them all if I could. Too bad, ain't but 24 hours to a day. Shark spotted in Fontic Bayou. Several deaths reported. Shark can be identified by rusty harpoon embedded in flank. Out of my way. Got a job. Et voici mon squale. Moi, je pensais qu'on commençait tout petit. This is an adult bull shark. Fast, fierce, and armed quite literally to the teeth. She has little to fear here in the Gulf. Oui, ça me va les paramètres actuels, nickel. Alors, on se déplace avec le stick, la caméra bien sûr, avec le stick droit. Cette merveille de muscles. C'est vrai qu'il est costaud, hein. Je m'attendais à commencer avec un tout petit requin. Alors, macro roi. Appuyez ou maintenez RT pour mordre. Appuyez plusieurs fois sur mordre pour dévorer. Avec plaisir. Ouh, une tortue. C'est bon la tortue. Oh oui, c'est bon la tortue. Et ce jeu, c'est un massacre. C'est une boucherie, sans déconner. On peut tout manger. On s'entraîne un petit peu au gameplay. Hein. Voulez-vous? Oh, il est gros celui-ci, niveau 8. Ah oh, ouais, costaud. Et pourtant, on le mange tellement rapidement. Alors, attaque caudale. Vous pouvez utiliser attaque caudale LB pour renverser et mobiliser les cibles. On teste. Oh, le coup de queue. Le coup de queue énorme. Oh, c'est bien ça. Faut en faire 3. Ok, attends. J'arrive à viser. Ok. Un petit troisième. Tiens, coup de queue. Pas mal du tout, hein. Les animations sont propres. Là, il faut qu'on sorte des tunnels, très bien. Nager jusqu'à la surface à vitesse normale pour passer en mode prédation. Le mode prédation vous permet de raser la surface de l'eau et de traquer votre proie. C'est d'accord. Là, il faut qu'on sorte du tunnel. On va commencer par faire ça. Je vous rassure, après, on aura des environnements beaucoup plus libres. Là, on est enfermé. Allez, pète la grille. Je me suis acharné dessus, mais un petit peu à côté. Ça commence bien. Waouh, c'est beau, hein. Sans déconner. Alors les devs, en général, ils font des jeux qui sont très fun niveau gameplay, mais ils mettent pas l'accent sur les graphismes. Pour le coup, là, je trouve que c'est très propre. Alors, voilà. Mode prédation. Alors par contre, je m'excuse, hein, mais les sous-titres sont un petit peu petits, effectivement. Donc j'espère que ça ira pour vous, mais je suis sûr que je vais avoir la remarque en commentaire, c'est sûr. Alors, vous pouvez sauter. Oui. Très bien. On va sauter 3 fois. Ok, donc là, c'est le tuto du jeu. Vous pouvez quitter le mode prédation en passant en mode immersion. Ok. Et je sais qu'on pourra, d'après ce que j'ai vu, hein, modifier justement notre requin, l'améliorer, changer également son skin, entre guillemets, sa peau. Alors, vous pouvez obtenir un gain de vitesse en bondissant en avant. Ouais, ça je sais. Maintenez le bond en avant pour rester à la vitesse maximum. Ok. Ah oui, c'est vrai. Très bien. Important. Émerger. Utilisez le bond en avant en direction de la surface pour émerger de l'eau. Un voilier. J'ai envie de le bouffer. Ah, d'accord. Il faut le faire 3 fois à chaque fois. Très bien. C'est pour bien montrer au jeu que tu as compris comment on jouait. Voilà. Oh, un joli poisson rouge. Enfin, rose. Un mérou corail. Alors, attends. Maintenez RT sur un objet et appuyez sur LB pour projeter. D'accord. Un objet, tu veux dire un poisson? Oh, ce manque de respect pour le poisson.
Viens par ici. C'est vrai que pour le requin... Oh mais c'est trop bien. C'est vrai que pour le requin, c'est un simple... C'est une simple babiole, bah oui. Viens par ici. Pif, coup de queue. Ah ouais, puis tu peux l'envoyer sur les autres. Mais c'est trop bien. Regarde. Attends, je prends la tortue. Hop. Et scroum. Ah, j'adore. Ça se trouve, tu peux faire des combos de la muerte avec ça. Ok, donc on a appris à nager. Terreur de la baie, tuer les baigneurs. Oh, le menu est stylé, hein. Le menu est très, très, très stylé. Alors, tuer les baigneurs, il en faut 10. Donc là, je suis la quête. Où sont-ils? Par là-bas. Très bien. En tout cas, le jeu est super joli, je trouve. C'est très clair. On n'est vraiment pas perdu. Et là, par exemple, regarde. Je vois qu'il y a des portes. Mais on pourra les casser que si nous sommes un requin ancien. Je pense plutôt bien comprendre la chose. Oh, on va faire un massacre. Oh là 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 là. Ah, quelle joie, mesdames, messieurs. Quelle joie. On va se régaler. Bon appétit. Mon cher requin bulldog. Vas-y. Ah, ce jeu. Qu'est-ce que je l'attendais, les enfants. Et on peut sauter, regardez. Wouhou. J'ai fait exploser le... En même temps, ouais, c'est un truc gonflable. Ah, c'était sûr. Ah, c'est tellement... C'est tellement horrible. Ah ouais, les pauvres, comme ils doivent flipper. Ah, vous savez que j'ai fait des cauchemars, hein, dans de la mer. Hein. C'est terrible. Hein. Allez, terreur de la baie terminée, très bien. Pite les cailloux, envoyez des chasseurs à vos trousses. Oui, venez par ici, je n'attends que vous. C'est eux? Ah oui, chasseurs, je crois bien. Alors, combat de bateau. Vous pouvez atteindre des endroits plus élevés comme les ponts de bateaux en utilisant bond aérien. Faites un bond en avant pour sortir de l'eau et mordre les humains sur les bateaux. Appuyez sur LT lorsque vous êtes en l'air pour bénéficier d'un second boost. Oh, double saut! Cheaté? Les humains armés vous traqueront avec une visée laser. Lorsqu'ils vous visent, faites une esquive avant qu'ils ne vous verrouillent pour les empêcher de viser et éviter d'être touchés. Appuyez sur RB pour faire une esquive. D'accord? Utilisez focalisation pour cibler les ennemis à proximité, appuyez sur le stick droit. Lorsque vous êtes au-dessus de l'eau, les bateaux hostiles seront ciblés en priorité. D'accord. Ah oui, ça focalise sur le bateau. Oh! Ah d'accord, mais l'esquive c'est comme ça quoi. Oh, le requin il est trop fort. Cette agilité. Attends, hop là. Mais aïe! J'arrive! Je vais tous vous bouffer! L'esquive, ah j'arrive pas pour l'instant. Pourquoi on va y arriver, hein, c'est une question de... De temps, on va réussir à avoir le bon timing. Oh, il y en a un dans l'eau, regarde. Viens toi. Mais c'est fini. Attends, il me semble que j'ai réussi à en faire tomber dans l'eau, mais c'est pas évident. Mais en plus, vous éliminez les bateaux, pas spécialement les humains qui sont dessus. C'est pas évident. Vas-y. Et en sautant dessus, je pense que ça marche bien. Allez. Ah, il est en feu, il est en feu, il fume. Vas-y. Voilà. Et un sur trois, monsieur. Allez, on passe au deuxième. Les chasseurs, par contre, j'ai l'impression que même dans l'eau, ils continuent à me tirer dessus avec leur viseur laser, là. Oh, mais l'esquive, c'est tellement cheaté. Alors là, je sais pas si on a un requin d'un niveau élevé ou pas. Je pense qu'au début, ils nous mettent un requin quand même assez âgé. Mais il me semblait qu'on commençait, d'après ce que j'avais vu, avec un requin. Avec un tout petit requin. C'est pour ça que ça m'étonne un petit peu, sans vous mentir. C'est peut-être juste pour la phase de tuto, hein. Ouais, je pense. Voilà, on s'en fout un petit peu des tirs, de toute façon, là. On a quand même plein de vie, ça reste le tuto, ils sont pas très... Très méchants avec nous, ça commence à fumer, donc là, on bourrine, hein, vous l'avez compris. Y'a pas d'autre solution que de bourriner le bateau. Un petit peu brouillon, d'ailleurs. Allez, troisième bateau. Est-ce que c'est lui? Je ne sais pas, bon, je pourrais bouffer les chasseurs, mais c'est pas le but. Yes, c'est bien lui. Autotamponneuse. Oh putain. J'ai chopé sur le toit du bateau, lui. Ah la vache. Oh. Ah, le sang de partout. Par contre, est-ce que... Est-ce qu'un requin, normalement, c'est bien dans l'eau? Putain, ce bateau, je l'ai plus vite fait, non? Oh, oh. Look at them teeth. Oh. She gonna make quite a metal piece. Got us some dinner coming, boys. Ah oui, quand même. Pete les cailloux a réussi à vous capturer. Ça fait mal. Il est fort, celui-ci. Il est fort. On board the Cajun Queen, Scaly Pete looks over the catch of the day.
Yeah, this my daddy's iron, all right. But this ain't D-Shark. Not the one I was looking for. How do you know? How I know? Not big enough. This look like a mega to you. Oh, well, looky here. She's on for me. Hello! How you mama in there? Whoa! But why'd you do that? So I can identify next time I see her. When I spear her. The tiny pup responds with an instinct for survival. You'll never want to turn off the gamma. Ah d'accord, je vois l'histoire. On lui a bouffé le bras, on lui a arraché le bras et après on va le retrouver. Ce sera sûrement le boss final du jeu, enfin on verra. Hein. Ouais, c'est pas mal, vite les cailloux. Par contre tu le vois, c'est vraiment un rock. Hein. Moi j'aime bien l'ambiance, franchement ça me va. Hey, il est stylé. J'adore l'ambiance, par contre la musique j'ai un doute, est-ce qu'elle est copyrightée? C'est pas impossible du tout. Hein. Kyle le blanc, son fiston? Ouais, je pense. Ah, ça va être violent hein, ce jeu. Hein. On va avoir plusieurs variétés de poissons à chasser en plus, tu vas voir. Ça va être pas mal du tout. Je le sens bien celui-ci. En même temps, ça fait longtemps que je l'attends. Alors je ne sais pas vous, hein, si vous l'attendiez, ce Maniteur, mais moi je vous en parle depuis des lustres en vidéo. Hein. Ouais, j'arrête pas de vous spammer dans les autres vidéos. Oh, la main! Et là, c'est moi. L'eau et crado. Hein. Mangez la main de Pete. Avec plaisir. Et voilà, elle n'existe plus, tu pourras pas te la greffer. Dans le cul-cul. Alors, Jambalaya sur le Bayou, épisode 2, visiter la grotte de Bayou de Fautik. Très bien. D'accord, on va passer par là, je pense. Ah ouais, je suis tout petit, hein. Par rapport au requin bulldog. Incroyable, donc je suis le fiston requin bulldog qui a été tué. Bon, qui a été chassé. Eh bien, très bien, il a voulu me laisser en vie, il va s'en mordre les doigts. Enfin, les doigts d'une main, parce que l'autre, elle n'existe plus. Alors, si on mange du mérou, poisson-chat, mérou... Oula, il est plus costaud, lui, niveau 3, on est que niveau 1, ouais, on est bébé. Et voilà, je pense que c'était le tuto, la phase d'avant. Oh, c'est des morceaux que vous pouvez manger, ça? Ah oui. Regardez, notre niveau augmente hein, quand on mange de la pascaille. Ça, c'est un dépôt de nutriments. Vider tous les dépôts, il y en a apparemment 17, il me semble, contiennent une grande quantité de nutriments, y compris des mutagènes, alors soyez à l'affût de leur son. D'accord. Fais voir. Ah, mais attendez, vider tous les dépôts, ouais, tout ça, il me semble, c'est du secondaire. C'est du secondaire, mais il y aura peut-être une importance. Trouvez la grotte suivante. Bayou de Fautik, on va commencer par ça. Allez. Vers l'objectif, donc c'est là-bas, on n'est pas loin, hein. 135 mètres. On est juste à côté, mais en tout cas le jeu est super stylé, il est très fluide. Pour info, je tourne sur PC, je vous l'ai pas dit, j'en profite là. Qu'on a un instant à nous, qu'on n'est pas attaqué. Je tourne sur PC et le jeu est vraiment très cool, très joli. Sonar avancé, nouvelle évolution. Nice. Le seul endroit où le requin peut apprendre à s'aimer. Corps tigré, nouvelle évolution, très bien. Sauvegardez, faites vos voyages rapides. Ah, oh, on peut faire un voyage rapide, très bien. Pour ouvrir le volet évolution lorsque vous êtes dans la grotte. Waouh. Non mais attendez, en fait c'est Ghost Recon Shark. J'ai trois organes là. Vas-y, je mets le sonar avancé. Les nutriments sont des ressources obtenues en mangeant des animaux et des humains, en détruisant des bateaux et en terminant des quêtes. Les nutriments augmentent votre niveau et améliorent vos évolutions. Les évolutions sont des mutations qui vous confèrent de formidables pouvoirs tels que l'armure cartilagineuse, des glandes à poissons ou encore des organes bioélectriques. Vous obtiendrez ces évolutions en atteignant de nouveaux rangs d'infamie, en terminant des quêtes de points de repère et en tuant des prédateurs suprêmes. Pour équiper les évolutions, retournez dans la grotte et appuyez sur la touche de gauche. Vous pouvez dépenser des nutriments pour améliorer vos évolutions. Très bien. Améliorer, donc là il me faut du rouge. J'en ai que 400. Je peux pas pour l'instant améliorer. Donc regardez, le requin a des évals. Évaluation de la masse, de la santé, de la défense, des dégâts et de la vitesse. Vachement intéressant. Il faut récupérer donc des nutriments et ainsi de suite pour améliorer tout ça. Super, pour pouvoir upgrade les différentes capacités. Eh ben, très bien, on dirait un petit peu un jeu de rôle hein, quand même. Hein. Il y a des aspects RPG. On peut le prendre ça, Cortigré? Mais c'est trop la classe!
Mais oui, monsieur. Par contre, améliorer, il me faudra 8000 cristaux bleus, là. J'en ai que 400. Ah, plus 5% lipides, protéines minérales, mutagènes. Ok. Ah, je requis bébé. Donc, on pourrait, mais il nous en faut plus. J'ai pas d'autres organes. Non. Regardez les menus. C'est la carte. Excellent. Ah ouais, mais en fait, nous sommes dans GTA. Incroyable. Et il y a le golf aussi. Ah, trop bien. Donc, je suppose que les environnements vont vraiment varier en plus. Hein. Trop, trop cool. Eh bien, écoutez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, le rang d'infamie, c'est ça? Bayou Willy. Point d'infamie. Ah, d'accord, putain, ça me fait penser à Most Wanted, ces conneries. Ok, bon, on verra ça, écoute. Et là, le menu d'évolution. Ça a l'air vachement complet. Alors, au crochet des brochets, on va montrer à ce poisson Yenki ce que c'est l'hospitalité du Sud. D'accord. Eh bien, on se fait ça. Allez, on va commencer par ça, on va ressortir de la grotte, c'est pas très loin en plus. Donc là, ça va être la fête au brochet. Est-ce que je passe par là? Bien sûr que je passe. Combat d'animaux sauvages. Les animaux sauvages peuvent être hostiles. Non, c'est vrai? Faites une esquive pour éviter leurs attaques. Lorsque les animaux sauvages brillent, cela signifie qu'ils sont vulnérables. D'accord. Attaquez tant qu'ils sont vulnérables pour les immobiliser. RB pour faire une esquive. Si votre taille est supérieure ou égale à celle d'un animal sauvage combatif, vous pouvez le secouer pour garder le contrôle s'il est vulnérable. Lorsque vous avez un objet dans la gueule, maintenez RT, puis agitez le stick droit pour secouer. Utilisez focalisation pour cibler les ennemis à proximité. Lorsque vous êtes sous l'eau, les animaux sauvages hostiles et les plongeurs seront ciblés en priorité. D'accord. Pas de soucis. C'est quoi ça? Eh oh, tu m'as fait peur! Attendez, il est méchant. Ah, tu remarques, il y a deux styles de poissons. Il y a les poissons qui sont montrés. Du coup... En rouge. Ouais. Ah, on peut secouer là, ok, avec le stick droit. Très bien. Il y a les poissons qui sont montrés en rouge et donc c'est sûrement des poissons qui nous attaquent. Et les poissons qui sont en bleu, c'est ceux voilà, qui sont pépères, pépousses dans l'eau, qui veulent pas qu'on les embête. Sauf que là, je suis là pour manger, pour évoluer. Et donc je vais tout bouffer. Émener ces menaces animales et humaines d'élite pour remporter des récompenses. D'accord. Eh ben on y va. C'est lui. Oh, niveau 5. Chaud. Ok. Siga. Ah, il est doré, donc c'est quand il est doré qu'il faut l'attaquer. Hein. On est bien d'accord. Viens par là. Vas-y. Moi, je bourrine un peu, j'essaie de voir un petit peu ses différentes attaques. Ok. Quand il nous fonce dessus, ça peut être intéressant. Viens par là. Voilà. Quand il devient doré, en fait. Juste après que ce soit doré, il nous fonce dessus. Oh, le coquin. En fait, faudrait que j'a... Par contre, à chaque fois j'ai un problème, je remonte à la surface. Ça, c'est chiant. Viens mon petit, mais arrête de remonter à la surface, bon sang de bonsoir. Attends, faut que j'incline, voilà, en bas, c'est ça mon erreur. Là maintenant, oui. D'accord, c'est avant qu'il attaque. Avant qu'il attaque, il faut y aller. Salaud. Comment oses-tu? J'arrive. Chaque fois je remonte en haut, hein, c'est terrible. J'ai vraiment cette manie. Attention, vas-y. C'est bon, nickel. Ouh. Au brochet, au crochet des brochets. Ça c'est fait. Attends, je mange la viande parce que ça va me faire évoluer plus vite, je pense. Terminer des quêtes de scénario, des verrouilles, des quêtes secondaires. D'accord, logique. Mais là, on va enchaîner sur les quêtes principales pour l'instant. Hein. Attends, on est à 18% du jeu, déjà? C'est pas vrai. Ah, mais peut-être qu'on aura de l'évolution au milieu et qu'on sera obligé style d'être au niveau... Ah oui, atteint le niveau 4. Atteint le niveau de croissance adolescent. Ouais, c'est ça. Donc, faut effectivement évoluer en même temps. Donc, faut faire quelques petites missions annexes, je pense. Mais on va aller tuer les 10 poissons-chats. Allez, c'est parti. Tant qu'on peut faire de la principale, on reste sur ça. Sinon, après, on ira effectivement se balader un petit peu. Il me semble qu'il y a des choses à récupérer, style des plaques d'immatriculation. D'après ce que j'avais vu, et également les trucs à débloquer. Allez, hop. Voilà, bouffe les poissons. Ça fait upgrade. Par contre, faut vraiment le finir. Le poisson, si tu le termines pas, que chi, quoi. Secoue-le! Secoue la mâchoire! Ok. Ah, donc là, on a toutes les cibles. Il y en a partout, hein, des mérous, et il m'en faut que 10. Ah, viens par là. Bientôt niveau 2. Alors, est-ce qu'on va devenir adolescent au niveau 2? Non, c'est peut-être niveau 4, Marc, parce qu'il nous avait dit ça. Oh, un alligator niveau 8. Oh non. Salut? Ça va? Cool, Raoul, hein, tranquille? Wow! Et derrière moi, qu'est-ce que c'est? T'es sérieux? Oula! T'es malade! Il est endoré! Ah, il perd très peu de vie par contre, ça c'est inquiétant. Ok. Allez! Oh! Vas-y, bourrine! Pas trop non plus. Aïe aïe aïe! Attends, il faut que j'aille bouffer du poisson! Du poisson chat, s'il vous plaît! Poisson chat! On va prendre de la vie un petit peu. Attention! Je poissonne!
Poisson chat, s'il vous plaît. Poisson chat, j'ai une petite faim. Et en même temps, il faut en bouffer 10, hein, donc on va le faire. Tu penses qu'on peut battre le crocodile dès maintenant? L'alligator, du moins. Ça craint, hein. Salut. Hey Bob. Viens par ici. Viens me voir. Je t'attends. Bah alors? Il m'attaque pas, c'est con. Ah! Ok. Donc d'accord. L'ouverture, elle est après son attaque. Et il faut un coup de queue. Ouh, le... Le petit malin. Oula. D'accord, j'ai compris un petit peu son pattern. C'est bien. Ah, il manque les bras. Le coup de queue. Ok, là on a coup de queue également. Là il faut esquiver. Et contrôle. Ah, on le met mal là, hein. On le met mal, mesdames, messieurs. Il est pas bien, monsieur alligator. Et voilà, on se l'est fait. Ah bah ça va. Non, faut juste voir. Là, je peux bouffer un petit peu les morceaux. C'est quoi ça? C'est un coffre? Yes, on va le prendre. Bim. Niveau 2, attends. Eh bah voilà. Ça, c'est bien. Bande de charognes. Allez, nous reste 8 poissons chats. Eh, c'est vachement cool. C'est vraiment très très cool. Moi, j'aime bien parce que... Justement, c'est super varié en plus en termes de... En termes de faune, si je puis dire. En termes de poissons, il y en a plein des différents. Et je suppose qu'on n'est pas au bout de nos surprises, hein. Parce que là, pour le coup, clairement, on est que dans la première zone. Par contre, j'ai entendu un... Ouais, j'ai entendu un gros machin derrière moi. Non? Alors, je suis complètement fou. J'entends des bruits qui me font penser à un croco. Il est où? Je suis sûr que je l'ai entendu, mais peut-être qu'il est coincé, j'en sais rien. C'est assez bizarre. Allez, 9 sur 10. Un petit dernier. Ah non, c'était lui que j'ai entendu alors. Autant pour moi. C'est ce coup-là, nickel, pour lui faire encore plus de dégâts. Là, le dernier poisson chat. On est à 10 sur 10. Voilà. Terminer la fièvre du poisson chat. Super. Par contre, ça va être compliqué de mettre des titres sur les vidéos parce qu'on fait tellement de choses. C'est incroyable. Après, à voir si sur la durée le jeu est varié, mais franchement, rien qu'avec l'évolution du requin, je trouve ça intéressant. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Maintenant, je pense qu'on est à 20% du jeu, ok. Atteint le niveau de croissance adolescent, atteint le niveau 4 en gros. Ah d'accord, donc là on va se faire quelques missions annexes. Très bien, alors vider tous les dépôts. Baie de la langouste. Là on est plutôt dans le bayou, hein, pour l'instant. Détruire la cible. Ah, je pense qu'on va se faire des cibles. C'est caïman pareil. Attends, je regarde sur la carte. Est-ce qu'on a quelque chose de proche ici? Ah bah tiens, c'est caïman pareil. Allez, j'arrive. Je suis de retour, mon ami. Je vais venir te manger. Eh oui. Je vais me régaler avec ta chair. Donc il y a des cibles un petit peu partout, effectivement. On va en profiter pour manger quelques poissons, hein, sur le chemin, mesdames, messieurs. Vous vous en doutez. Ce qui serait bien aussi, c'est de regarder s'il n'y a pas des choses. Là, par exemple, il y a une plaque là-haut, tu vois. Il y a une plaque d'immatriculation qu'on devrait aller chercher. Mais est-ce qu'on peut, avec le saut qu'on a actuellement... Eh non, je saute pas assez haut, hein. Attends, je vais essayer, mais je pense que je pourrai jamais, hein. Logiquement, je peux pas sauter là-haut. Ah bah pas du tout. Ah non, on est très loin. On est très loin de pouvoir sauter. C'est une honte, monsieur. C'est une honte. Il est là, le caïman. Attention. Alligator chassé. Oh, mais niveau 15, mais t'es fou. Allez, on tente quand même. Je suis une tête brûlée. Ah d'accord, déjà il esquive, ça commence bien. Oh, 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 oh. Attention, mesdames, messieurs, combat de longue haleine. J'espère que vous êtes prêts, que vous avez le petit popcorn, la petite boisson. What the top. Aïe, je me suis pris un petit coup. Voilà. Monsieur est vénère. Faut être rapide, hein. Faut être rapide. Eh, viens. Mais mort, bon sang. Bien joué. Écarte-toi. Oh, il y en a un autre. J'ai eu peur. Oh, le tarbat. Ah, ça va être dur à deux, hein. En plus, il y en a un qui est niveau 15, laisse tomber. T'es fou. Aïe. Il m'a tué. Non, libère-toi vite. Je me tire. Salut les boys. Voilà, je vous le dis tout de suite, on peut pas rivaliser avec deux. C'est incroyable. Je suis presque mort. Il était en train de me mastiquer gentiment. Attends, poisson. Non, j'ai oublié le poisson. Je me tire. Alors par contre, j'espère que si on quitte la zone,
Ah oui, c'est vrai qu'on a le... Attends, on a le sonar pour voir les différents poissons. Histoire qu'on se remette un petit peu sur nageoire, si je puis dire. Ou sur aileron. Il me suit pas l'autre? Non, c'est bon, il ne peut pas me suivre. Vas-y, mange un petit coup, reprends de la vie. Bah, toi aussi, je vais te manger, ça va me faire du bien, tiens. Viens par là, je te dis. Eh, c'est chaud, sans déconner. Il y en a un autre. Mais what the fuck? Oh, le coup de queue. Il y en a partout. C'est hallucinant. C'est fou, ça. Attention, il va attaquer. Hop, là, on connaît. Et après, il passe en doré. C'est là qu'on peut lui faire un max de dégâts. Attention, vas-y, j'aimerais bien qu'il parte en doré tout de suite. Oh, putain, le bâtard. C'est incroyable. Ah, il arrive vite, hein. Moi, ça va, après qu'on a compris le délire, mais... Niveau 15, il est un peu plus chaud, quand même. Si on veut charger, hop là. Joli, termine-le. Super. Il n'y en a pas un autre, là? Ah, putain. Laisse-moi bouffer ces petits morceaux restants, là. Alors, j'ai quelques soucis, vous le voyez, pour rester sous l'eau. C'est un peu embêtant, mais à part ça, tout va bien. Le jeu est super bien foutu. Le gameplay est intéressant. Je pensais pas qu'on pourrait esquiver dans le jeu, en plus. Alors, franchement, c'est cool. On y retourne, les amis. Je veux ce caïman au niveau 15. En tout cas, on progresse bien. On progresse, on s'entraîne. Voilà, contre les différents crocos. On est niveau 3, bientôt niveau 4. Bah, il nous montre que là-haut, il y a la plaque, mais qu'on pourra... Attends, c'est bien celle que j'ai testée avant? Ouais, qu'on pourra jamais la voir, c'est impossible. On a récupéré la vie à 100%, et là, c'est reparti pour le niveau 15. Ça va faire très mal. Oh là là. Alors, je ne sais pas du tout combien de vidéos il faudra, les amis, pour compléter le jeu. Mais en tout cas, pour l'instant, je pense qu'on n'a pas vu grand-chose, même si l'histoire annonce 20%. Oh non, il a récupéré sa vie. C'est pas vrai. Donc c'est ce que je pensais. Oh, on n'a pas entendu son bruit, c'est normal ça. Y'a pas un bug de son là par hasard? Attention. Attends, retourne sous l'eau. Vraiment. Attends. Attends, il est vénère celui-ci. Ah, il m'a fait peur. À niveau 15 en même temps, tu comprends. Eh, je suis acharné les gars. Je suis acharné. Je me laisse pas faire. Mais... Oh là là! Bouffe-le bien. Ah non! Casse-toi, j'ai pas envie de crever. On se tire, mesdames, messieurs, du Mérou au dîner. J'ai oublié le Mérou. Oui, non. Le Mérou. Merci de te sacrifier. Merci, madame la tortue. C'est gentil. Et là, on y retourne. Allez. Parce que j'ai pas envie qu'il récupère sa vie. C'est un petit peu chiant. Si à chaque fois, il la reprend. Eh, il est chaud celui-ci, hein. Autant les autres alligators ça allait, autant lui. Incroyable quand même. Attention, il arrive là, non? Il n'a pas les mêmes attaques, hein. Fait chier. What the... Oh, je l'ai raté. Ah, il est plus speed. J'essaie de m'écarter parce que je sais qu'il y a d'autres alligators là-bas. Ok, maintenant. Écarte-toi. Hop là. Bien joué. Je t'aurai. Il y en a partout les alligators. Mais non. Arrêtez un peu. Vas-y, viens. Je t'attends. Comment ça? Fuyard. Déserteur. Comment oses-tu? Respecte-moi. C'est pas parce que je suis petit que je peux pas te tuer, te vaincre. Voyons. La taille, ça ne compte pas. Allez. Ne me juge pas, ma taille. Oula. Oh, ils sont chiants. C'est pas lui que je veux, c'est lui. Mais il y en a trois. Allô. Attends, je me tire. J'ai bouffé un petit mérou, là. Ça va faire du bien. Ou un poisson-chat, on s'en fout. Ok. Ah non, le poisson-chat, ça ramène plus de vie. Putain, c'est lourd, sérieux. C'est lui que je veux, c'est lui. On va l'enchaîner. Oh là là, mais ça va être l'enfer! Punaise! Mout! Mais c'est pas fini, oui.
Ya, c'est l'autre que je veux, mais laissez-moi avec l'autre. Je m'en fous de vous. Moi, je veux le niveau 15. Et honnêtement, ça aurait été moi de mon côté, mais vu que je suis pas un lâche, je vais le finir, mais ça aurait été moi de mon côté, je serais passé à autre chose. Ah, le salaud, putain, il est trop fort. Mais viens m'attaquer au moins. Regardez, il reste sur le côté. Il se sent faible. Mais attends, mais il a peur. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais il a peur. Attendez. Il est coincé? Il est pas coincé? Mais tu bugs, mon pauvre? Oh, alors c'est qu'il a peur, il se protège. Mais what? Je pense qu'il bug. Ah, c'est bon, il est bugué. Ok, ne meurs pas parce que ça se trouve, si on meurt, on recommence et sa vie est de retour à 100%. Donc on va éviter de faire cette connerie. C'est quoi ça? Ah non, c'est une porte, merde. Ouatata! Poisson, tortue. Ça fera l'affaire. Un petit peu de vie, merci. Allez, intérieur. On va terminer. On l'aura, mesdames, messieurs. C'est un travail de longue haleine. Ah, tu peux esquiver comme tu veux, hein. Le coup de queue! Allez, je me retire. Le mérou. Je sais pas si tout le monde va en chier comme moi sur lui. What? Ah oui! Ouverture! Esquive. Au niveau 15, il est là-bas. Il fuit! Oui, je l'ai eu! Attention aux autres, hein. Attention aux autres, on n'est pas encore niveau 4, donc de toute façon... Oh la vache. On n'est pas niveau 4, donc on va devoir les faire aussi. Tiens, ça va nous faire évoluer comme ça, mais les combats contre les crocos, waouh. Attends, laisse-moi récupérer ces petits bouts-là. Il y en a d'autres, hein. Ouais. Calme-toi. J'espère que j'ai pas loupé d'autres petits bouts. Enfin, c'est génial, hein, les combats. Sans déconner, je m'attendais pas à autant de techniques. Attends, j'ai loupé un petit bout, là. Voilà, merci bien. Arrêtez de me croquer. Bientôt niveau 4, hein, les amis. Bientôt niveau 4. On va y arriver. Esquive. On retourne au fond. Enfin, un peu plus au fond. Je te cible. Hop là. En vrai, je vous conseille de jouer au jeu parce que je pense que c'est un jeu qui se joue peut-être plus qu'il se regarde. Donc, que non, ça doit être sympa à regarder aussi, c'est marrant. Il me semble que j'en ai entendu un de l'autre côté, non? Ah! Ouais. Quoi? Il a disparu. Attends. Le coup de queue, non? Tu veux pas? Ok. Je pensais qu'ils allaient me... Ok, esquive. Y'a plus de doré, là. On peut plus le contrer. Ok, bon, ça c'est bien, les amis. On s'en sort. Là, on s'est régalé. Il est mort, lui aussi? Je pense qu'il est mort. On est niveau combien? Là, on est encore niveau 3. Ok, bientôt niveau 4. On va essayer d'aller chercher quelqu'un d'autre. Il me semble qu'on fait comme ça. Voyons voir. Qui c'est qu'on peut avoir d'autre? Détruire la cible. Ouais, on va essayer celui-là. Attends, mais je suis bête, je suis sur la carte. Celui-là. Allez. Attends, c'est quoi ça? Point de repère. Attends, on va essayer de se faire le point de repère. Il est où? Ici? D'accord. Alors, est-ce que je peux le manger? On peut sortir? Oui. D'accord. Oui, bête. Et on est passé niveau 4, du coup. Nice. C'est cool, ça. Les touristes adorent les points de repère. Trouvez-les pour gagner des récompenses. D'accord. 1 sur 10. Mais que dans cette zone, hein. Que dans le bayou de Fautic. Très bien. Et maintenant, atteindre le niveau de croissance adolescent. Confronter Pete les cailloux. Mais donc, qu'est-ce que je dois faire parce qu'on est niveau 4? Ah mais on est encore bébé. Et du coup ça marche comment? Il faut revenir au garage? Je sais pas comment faut faire. Au garage, mais qu'est-ce que je raconte? Je me crois dans Need for Speed. Faut revenir à la grotte. Attends, on peut se téléporter? Ouais. Je vais essayer de retourner là-bas. Voir si c'est ça qu'il faut faire. Tout à fait. D'accord. Waouh. Je deviens donc un ado. Oui, adolescent, nouvel âge. Attaque caudale, nouvelle capacité, amélioration de capacité, bon émergent, bon aérien, capacité pulmonaire. Génial, donc il y a de l'évolution, effectivement. Eh, c'est la classe quand même. Ah ouais. On va voir si les déplacements ont un petit peu changé. Donc pour l'instant, pas d'organes supplémentaires. Toujours le corps tigré, alors on peut l'enlever, mais bon, ce serait un peu bête. L'infamie, pour l'instant, on n'a pas vu ce que c'était. Hein. Féminisme de troisième zone.
visiter la grotte de Lac des Chevaux Morts. On fait ça? Allons-y. Ah oui, il se déplace différemment. Il se déplace différemment. Je vois. On est déjà devenu ado. Et imagine, on va terminer le jeu en... Parce que là, attends, regardez, on est à 25%. Non, on pourra pas terminer le jeu en une seule vidéo, mais je trouve que ça avance vachement vite. Et donc, il faut aller visiter la grotte de Lac des Chevaux Morts. Ça fait peur. Donc ouais, j'ai l'impression qu'il nage un petit peu différemment. Il a grandi. Il a grandi et franchement, il est stylé. Je me sens davantage prêt à affronter les grosses bestioles. Soyons honnêtes. Mais c'était compliqué hein, contre les crocos. Hein. Et j'ai toujours un peu de mal, tu vois, à chaque fois je remonte. Parce qu'en fait, pour se diriger, c'est spécial. Il suffit de se diriger avec les deux sticks. Et c'est vrai que d'attaquer en même temps, de se diriger, tourner la caméra, c'est pas si évident que ça. Hein. Soyons honnêtes. Attends, on va remonter à la surface. Eh, c'est beau! Regarde. Ah, il me semblait que je l'avais vu venir celui-là. Et il y a un petit peu de danger quand même, hein, ici, non? Oui, oui, un petit peu de danger. On va essayer de tracer, hein. Ah oui. On va essayer de tracer, donc c'est par là-bas. C'est très très beau à l'extérieur de l'eau. Je sais pas ce que vous en pensez, j'aime beaucoup. Et il faudrait que j'aille chercher tout ce qui est plaque d'immatriculation et tout, mais j'ai l'impression qu'actuellement, avec notre... On n'est pas encore le plus gros des requins. Et donc je pense qu'on peut pas sauter très très haut. On a vu qu'il y avait certains endroits qui étaient assez compliqués. Oula, il y avait de la terre là. D'accord. C'est par ici, attends je regarde. Ah, une porte. Un portail. Très bien. Voilà, j'en fais mon affaire. Bienvenue au lac des chevaux morts. Nouvelle zone hein. Nouvelle zone, logiquement avec des environnements bien différents. La pollution industrielle, ouais tu m'étonnes, je vois ça. Oh là là. C'est spécial. Mais il y a vraiment une ambiance par contre dans ce jeu. Je sais pas ce que vous en pensez, c'est totalement différent quand même de Jaws Unleashed. Les Dents de la Mer qu'on avait pu faire, qui était sorti à l'époque sur PS2. C'était un bon jeu hein, moi j'ai bien aimé, mais celui-ci, c'est vraiment autre chose. Ça me fait penser à un autre jeu, alors auquel j'ai pas joué, mais j'ai vu des vidéos sur YouTube. Ça c'est le style de jeu que font beaucoup les youtubeurs fun, entre guillemets. C'est pas péjoratif hein, ce que je dis, mais c'est un jeu qui va bien pour ce genre de chaîne. Et pour les genres de chaînes qui font des jeux marrants et tout. Attends, je vais remonter. C'était pas Fizengro ou un truc comme ça? Je sais plus exactement le nom du jeu. Mais où justement tu dois manger plein de poissons, il y a une évolution, etc. Ça fait penser un peu à ça, je trouve. Ok, donc là on se rapproche. Bon, je mange pas tous les poissons que je vois. Par contre, regardez, on a une plaque. Viens par ici, ma petite. Ah, faut la manger. Moi, je passe dessus comme un con. Donc, c'est la première plaque qu'on récupère, hein, je crois. Éparpillée dans chaque région pour gagner des récompenses. Vous mettez quoi comme récompense? C'est trop vague de me dire ça, quoi. Oh non, pas encore un alligator. La grotte, vite. La grotte. Tous à l'abri. Mon dieu. Ok. Ça, c'est bien. Féminisme de troisième zone. Terminé. Un espace tranquille permet aux requins de méditer. Ah, tu m'étonnes. Mais regardez, il y a quand même des méchants qui peuvent venir. Je suis pas d'accord, moi. Alors, déchets radioactifs, tu es Dimeru, Joe la secousse, quel bordel. Très bien, déchets radioactifs. Alors, vous savez quoi, les amis? Je me demande si on s'arrêterait pas aujourd'hui, maintenant, tout de suite. Hein? Est-ce qu'on s'arrête maintenant? Ouais, on va s'arrêter maintenant pour cette première vidéo sur ce Maniteur. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas. Abonnez-vous pour ne pas louper la suite. Je pense que cette série va être plutôt longue malgré le fait qu'on soit déjà à 26%. Je pense que la suite va être peut-être plus exigeante, plus dure. Mais surtout, je pense qu'on va découvrir bientôt le système de rang d'infamie qu'on n'a pas encore vu aujourd'hui. Voilà, merci à tous. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu encore une fois. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes. On va enchaîner hein, tous les jours. Merci à tous. Portez-vous bien et à très bientôt.